White Nation, everybody put your hands up. Yeah, everybody put your hands up. Sup, sup, sup. Bust all high, motherfuckers wanna fly me. Bam, boom, bam, 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 bam. Boom, bam, 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 bam. Boom, bam, 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 bam. Got two men. Shine it, bam, shine it, whoa. Hey, yo, Mustafa Rimka. Let me show you the keep the band swing me do that thing over there, homie. Let's go. Cause I feel like I win and I feel that I gotta get away, get away, get away. But the known that I don't, that I won't ever stop. Cause I gotta win every day, day. Cheating and winning, winning upon me. Just know that shit, I'm gonna fly me. And then I gotta be the little cocky. No, you never gonna stop me. Every time I come in the gig and I said a bit, I gotta go, I'm gonna get a bit, I gotta blow, I'm gonna shun, I'm gonna get a tin, I'm gonna get a minute, I'm gonna get a minute. Vous connaissez tous les deux? Oui, on se reconnaît, la famille, malgré l'humanité. Oh Tonton. S'il vous plaît, vous pouvez parler Rimka avec Rimka, vous pouvez parler ensemble ou pas? Pas de problème. Comment va Rimka? Ça va bien, tranquille. Ça tue. Encore un petit peu, parlez entre vous. Rimka se parle à lui-même. Ça va, toi, ouais? Vitry 9-4, t'as vu, le petit, dédicace à l'Algérie, Maroc, Tunisie, tu veux battre tout aussi. Aïe. Il est fort, il est très fort. Ouais. 40 millions de vues cumulées sur Internet, je précise. Tu as un mini EP, c'est un mini album qui sort en septembre et qui s'appelle Schizophrène Rap. Schizophrène Rap. Voilà. Schizophrène Rap. Où en fait, je vais m'amuser à imiter tout le rap français, américain, parce que je peux pas me payer les featuring, c'est trop cher, je suis blindé. Donc je vais tous les faire. T'es le seul à le faire. Je suis le seul à le faire, ça. Donc t'as tous les plus grands rappeurs sur ton album, mais en vrai, c'est pas eux. Sur le EP, ouais, Schizophrène Rap, c'est le mini-album. Et ensuite, je ferai mon album qui s'appellera Monster, et là, ça sera ma vraie voix, et ce sera encore un nouveau challenge pour créer la surprise. Il y aura qui dedans? Dans Schizophrène Rap? Ouais. Donc il y aura Lil Wayne, il y aura Rick Ross, Busta Rhymes, Snoop Dogg. Tout le monde. Hey, ce mec. Gratuit. Ce mec a énormément de talent. T'en penses quoi, Rimka? Tu l'as déjà vu là? Il a déjà fait vos concerts, des premières parties? Ouais, on s'est déjà vu. Des festivals ensemble, des concerts et tout. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, il m'a imité dans Schizophrène Rap. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça t'a fait rien? Ouais, franchement, trop lourd. C'est autre chose que Laurent Gérard. En général, c'est bien perçu quand même. Il a énormément de talent, vraiment. On va diffuser d'ailleurs un petit extrait de ce que tu sais faire. Mais juste avant qu'on le diffuse, est-ce que tu peux nous faire un tout petit peu d'Eminem? Nowadays, everybody wanna talk, but they got something to say. And if it comes out when they move the lips, just put it in with your motherfuckers out of the gather by drill. Oh, regarde ce qu'il est capable de faire. Et il a retracé l'histoire du hip-hop dans une vidéo qui a été regardée 17 millions de fois. C'est parti. Ça s'appelle Eclipse et il est avec nous ce soir avec Rimka. L'album s'appelle Chef de famille. Je rappelle qu'il faut aller l'acheter, il sort le 11. Attention. T'as commencé à quel âge à faire des bruitages? J'ai commencé, je devais avoir 8 ans ou 10 ans. D'ailleurs, quand je suis allé au lycée, j'ai fait 2-3 fois la sonnerie et on sortait avant. Donc, j'étais le pote de tout le monde. Je te jure, je l'ai fait 3 fois environ. Genre, après, 16h30, tu faisais la sonnerie vers 11h du mat, tout le monde partait. Non, peut-être pas, mais genre un petit quart d'heure avant. 16h15. Un petit quart d'heure avant. Ouais. Ça faisait quoi la sonnerie? C'était un bruit tout simple, mais c'était une grande salle, ça résonnait. Je me levais en même temps que tout le monde se levait. C'est génial, on a envie d'aller à l'école avec toi. T'as beaucoup voyagé, t'as fait des tournées à travers le monde. C'est quoi ton meilleur souvenir? Franchement, mes meilleurs souvenirs, c'est la tournée d'NTM et récemment, je fais la première partie de The Game au Kosovo. Franchement, Kosovo, et ben franchement, j'ai jamais vu un public chaud comme ça. Ils connaissaient tous les classiques, ils connaissaient tout, c'était le feu. Au Kosovo? C'était un feu incroyable. Ils ont plus toutes leurs chicots, ils arrivent à chanter les trucs. Non, non, mais franchement, c'est vrai, ils connaissent vraiment bien le hip-hop. T'as chanté dans des pays comme le Kosovo, par exemple? Non, non.
J'ai ma vie, frère. Vraiment, c'était la guerre. Pour une 504, c'est un merco. Ils vont faire wow. Remke nous en a parlé de son pire souvenir et meilleur souvenir en même temps. Ouais. C'est quoi t'es ton pire souvenir? Un concert qui a pas marché, le son marche pas, il y a personne. Souvenir. Franchement, le pire souvenir, j'ai fait une fois un concert à Pont-de-Sèvres dans le 92 pendant le Ramadan à l'heure de manger dans le bâtiment. Donc il y avait que les gens, que les techniciens. C'était une répète en fait. Mais bon, ça s'est bien passé. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mal pris tes imitations? En général, c'est plutôt bien pris. Hein. Je les insulte pas. Ça va, ça a été bien pris. Sûr? Ouais, ça va. À part une fois, il y avait... peut-être, je crois que Booba, il aime pas des masses. Ouais. Ce que je fais, mais bon, après, c'est son personnage. On se connaît pas vraiment. Je pense qu'il me verrait d'un autre œil si on se connaissait. Parce que j'avais refait Lunatic une fois... Oui, parce que pour le plaisir. Pour expliquer, Booba avait un groupe qui s'appelait Lunatic, que t'aimais bien, Rimka, c'est un très bon groupe, faut le dire. Moi, c'était plus un big up qu'autre chose. Et en fait, ils se sont jamais remis ensemble avec Ali, qui était le deuxième rappeur. Et lui, vu que c'est faire toutes les voix, il a fait croire qu'il y avait un retour de ouf. Justement, pour que ça marche, il fallait vraiment faire croire pour voir si ça allait marcher. J'étais obligé de vraiment faire croire. Et ça a marché. Ça a marché finalement. Booba, il regarde souvent l'émission, il est venu ici plusieurs fois. T'as une caméra juste ici. Est-ce que tu pourrais dire un petit mot en Booba à Booba? On t'en pense de dire, c'est Eclipse dans le fucking building. Rimka, tout le monde t'a découvert au sein du 113 avec Mokobé et AP qu'on embrasse ce soir. Mais ce soir, tu vas frapper bien plus fort. Tu vas rapper avec un autre Rimka. Rimka plus Rimka égale Tonton du Bled. C'est parti. Moi, je me fais la boule au moins avant de partir. Elle est là. Je ramène la PlayStation. Elle est là. La télé du salon, moi. Je crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi? Ah, tu fais rough. C'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Et je vous jure, il m'a rencontré quand... Je vais me mettre là. Et... Il m'a rencontré quand je venais à peine, je faisais juste de la scène, c'était au tout début, tu te souviens? Il y a très longtemps. Il m'a dit, s'il y a une embrouille, tu m'appelles direct, je viens. Je vous jure que c'est vrai, c'est mon grand frère, donc on peut l'applaudir. C'est la vérité, c'est vrai ou quoi? Hey, il est avec moi, reste tranquille. Je rappelle que l'album s'appelle Chef de famille, quand même. Achetez-le, le 11 juin, très bon album. Très bon album. Hey. Maintenant, vous allez chanter Tonton du Bled, un morceau que tout le public connaît. Rimka avec Rimka, c'est parti. La nuit nous appartient. Pour mon pote Mustapha qui est là. Du bruit, la famille. Chargé, allez, montez les neveux. Juste à l'instant que je mette sur le toit le gros chemin bleu. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et gazous pour pas flancher. Bilal va pisser le temps, j'asse mon petit marché. Tiens, encore deux jours, le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais, c'est pas un cadeau. Qu'est-ce que j'ai kiffé sur la place Vido? A Pidjaya City, du haut ma montagne. Avant de venir plus tard, je fais un petit détour par Ouahra. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout à tout. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des joyaux pagailles. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulay-Mat avec mon zinc et son Delbouka. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizikoun sur le corps et sur le bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwania. On parle de tout et de rien, de Nike Air au Visa. De la traversée du désert, beaucoup ce que Zoyema. Et mon cousin me dit qu'elle est une griffle, ce plat. Il était tellement beau que j'ai jeté mon sirop en rat. Avec deux trappes d'art, on tape la discussion. Car on peut pas s'empêcher Dieu que je suis dans la chanson. Un de me dit, moi je t'ai pas vu Fiji Vision. Et l'autre me demande, ça va ref Michael Jackson. Il part trop vite et on a côte plaidard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinar. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte pour d'autres la chicha. Je passe à un bon mois lorsqu'on appelle le tiers-monde. Si j'avais assez d'eau, c'est je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Les 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité. Content de revoir mes potos. Pendant deux semaines j'ai mangé.
J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. T'as capté les robeux, ils travaillent, ils galèrent, machin et tout, mais quand ils dansent, y a pas plus heureux qu'un. Ils regardent en l'air et tout. J'adore. Eh, c'était un grand moment. Vinka, la danse s'appelle Chef de Famille. Allez l'acheter, c'est sort le 11 juin. Et puis, on est fait sur bien sûr ce que fait le crap. Le morceau que j'ai entendu s'appelle Toto Bidla DCP. Un instru, tout simplement, de DJ Mehdi. Paix à son âme. On se retrouve la semaine prochaine. Même chaîne, même heure, ce soir la nuit, vous appartient.